si jamais le PB86 veut s'imposer. Alexis Argent aura 3 points. Et ben voilà comment on lance un 22 player à la maison. Hop pour le PB86. Ça part vite. Réponse tout de suite. Bon décalage. Ça c'est bien fait. Et ça va tomber dedans. Pour Pape, plus de temps de jeu ce soir. Oui, une zone proposée par le Sepp Lorient depuis le début de rencontre. Une zone 2-3. Alexis D'Argenton qui continue. Ça. Et bien dans la même position, Pape bien sûr dans son jardin. Ah, on le sait, faut pas les laisser ces shoots là. Ça on joue fort au poste. De ces duels poste-bas entre Pape et Malik Koulibaly. Et là c'est Pape. Tout ouvert. Bien sûr qu'il va le prendre ce shoot. Bien sûr. Et c'est dedans. Bien sûr qu'il va le mettre. Contre-Stockard. Hugo Suard. Oh, ça trouve l'ouverture, oui. C'est trop simple ça pour les Lorientais. Pour l'instant, ça répond bien les deux équipes, mais le Sepp Lorient commence quand même à trouver ouais, plus d'ouverture. Et il enchaîne et à chaque tête élevée pour la récupérer. C'est bien battu c'est ça. Herb Martilic qui s'est envolé haut dans le ciel. Le shoot de Morgan Durand à 3 points. Morgan à 3 points. Ça bon défend décalage. Fort, le shoot ouvert à 3 points. Ça, c'est un bon décalage pour Quentin Hank qui va répondre. Allez, Courtney pour retrouver Morgan. Allez, il va pas se poser de questions. Hein. Morgan, oh, il est capable de les enchaîner toute la nuit. S'il et là, faut. Attention. Trouver ce ballon. Oh, oh là. L'espace du capitaine. Quentin Hank, il est ça tout, part seul. Tout seul. Et il va aller déposer tranquillement. Oh, attention, Kevin, ça fait deux ballons suite. Alexis D'Argenton face à Ahmed Doumbia qui va lancer une passe en l'air par-dessus. Ouh, ça joue physique dans la raquette. Ouais, quant à l'Auxerre, il va se retrouver tout seul, même si Jim était venu fermer. Offensive sur le parquet, en voilà une de plus. Attention, une seule petite seconde, oh, Morgan Durand seul. Qui joue intelligent. Oh, il a joué L1 Morgan Durand qui l'a joué au plus futé. L'Auxerre tout seul, qui va aller au bout. Et c'est fait, il a l'avantage de vitesse sur Kevin Mondésir. Il va retrouver Jonathan Jeanne, qui tout tranquillement. À la base, quant à l'ancienne interception, il va pouvoir aller au bout, pourquoi pas. Et il va aller arracher le cercle à deux mains. Vite, interception. Qui manque ce ballon, Kiss. On va lancer. Allez, où Jonathan Jacques sur la piste de décollage. Il sort les jumelles, Morgan Durand. Il a dit non. Pape et Hugo Suard, lui, va lancer Kevin Mondésir. Kiss avec Kevin qui va attaquer cette zone de 3, retrouver Jonathan voilà, Jacques, ça c'est bien fait. Lui sur une zone de 3, ce qu'on dit. Donc ça part vite, Kiss. Il va pas se mettre question. Et allez, au bout, la goal. Kiss au bout et un. C'est pas son match référence. Le décalage pour le shoot ouvert à 3 points, c'est dedans. Ça tombe dedans, Kevin Mondésir qui sort la guitare, la fameuse. Jonathan Jeanne. Bon, bien joué cette passe. Superbe. L'avantage pour l'instant côté poids de main, ils sont à 54, Balikouibali qui monte. Et ça va aller au bout pour Ahmed Doumbia qui va lancer. Ça part en contre-attaque. Robert qui va monter à une main. Le pic demandé par Armand, il va s'élever à 3 points. Et c'est dedans. Armand Bessin au buzzer de la première mi-temps. Belle passe pour Djambo, mi-distance. Et cette fois-ci, ça se tombera dedans pour Ibrahim Djambo. Attention au chrono, Balikouibali qui vient la chercher. Oh, à bout du chrono. Ça essaye de rouler pour Balikouibali. Distance, ça c'est dedans. Dedans, c'est parfait un ça. Bon médecin en confiance et en réussite. Ça attaque moins fort. Ça a Alexis changé, voilà. À demain. Alexis D'Argenton. Herb Martilic s'est envolé. Un moment ça, bien sûr, plus de vitesse que quant à l'Auxerre. Attention à la perte de balle. L'interception est repris de Balikouibali. C'est magnifique. Sentir sur Armand, contre Stockard. Il va aller attaquer Serge. Oh, qu'est-ce qu'il le fait bien, ça. Ça joue encore, le pick and roll. Bien fait. C'est réussi. Ahmed Doumbia, bon décalage pour Hugo Suard. Oh, ça tombe dedans. Ah, ça leur fait du bien, ça. Ouais, sur l'avant peut-être avec Kiss. Armand oh, bien joué. Une bonne passe à terre. Oh, ça veut répondre vite à 3 points. Ouh, c'est dedans. Il n'y a pas trop de solutions. Fadeaway compliqué. Oh. Mais rien n'est trop compliqué pour Alexis D'Argenton. Qui se Moera. Oh, les deux intérieurs du même Morgan côté. Durand, il a de l'espace. Il va prendre ce shoot. Morgan Durand. Bon, face à Kevin Mondésir. Il s'arrête mi-distance. Il pull up. Et Armand, il est très très chaud ce soir. Il enchaîne. Pour retrouver menaçant. L'Américain. Il est face à Pape. Il va rester 6 secondes. Il va pull up. À 3 points. Et c'est dedans. Courtney Stockard, mesdames et messieurs.
s'est rattrapé. Qui fait des gestes acrobatiques pour retrouver le ballon. Oh, et Kevin Mendy sur le buzzer. Le capitaine au buzzer des 24. Kiss décalé. Morgan Durand qui dégaine. Oh, et c'est dedans. Morgan Durand. Et oui, il répond. Il fait si, prenez ton mort. Parce que je suis beaucoup trop chaud. Le ballon. C'est Ibrahim. La revanche à 3 points. Et c'est dedans. Il répond et il célèbre. Qui sort le gun et dégaine à 3 points. Offensive, eh oui, bien et sûr. Il enchaîne. C'est Contis parfait. Lucas dans le fire, messieurs dames. Alors ça, ça peut être une transition attaque-défense qui fait gagner un match. Oh, il l'avait vu. Mais c'était téléphoné. Oh, ça part tout seul pour le Dunn, sûrement. Tranquillement. Ouais, il assure, il assure. À ce moment-là du match, on ne peut pas se permettre de rater. Il a raison. Se sacrifier pour l'emmener sur la ligne. Bonne passe. Oh, ça joue super bien. Mendy qui monte. Et le N1 Kevin Mendy, messieurs dames. Le capitaine. La salle pour cette dernière minute de jeu. Il va aller au bout. Il va aller au bout, Jumbo. Et au meilleur sur des moments, fin de match, il est à droit. Saounera va aller provoquer et à chaque fois bah, on va faire ça jusqu'au bout si. Faut jouer vite du côté breton. Bien fait. Ça joue intérieur. Et on va scorer avec Jumbo. Du chrono peut-être. Encore avec 5 secondes. Un dernier shoot d'Hugo Suar à 3 points qui sera manqué. Ça va s'arrêter là. Score final 96-78. Et ça le passe PB 86 et le quart de finale. Oui, la oui, oui. L'étape est validée. Le début de l'aventure est lancé. Ça passe enfin validé à 100% pour le PB 86 qui retourne en quart de finale. On le savait, il s'était préparé, il voulait batailler, aller chercher ses playoffs pour tenter une remontée en Pro B. C'est encore loin d'être fini